développement personnel du dirigeant, c'est quelque chose aujourd'hui qui est un enjeu majeur dans l'organisation et dans l'entreprise. Et pourquoi accomplir plus en faisant moins? Parce qu'il y a quelque chose qui ne quitte jamais le dirigeant, c'est la notion de performance et de productivité. Je crois très fort au potentiel des personnes et des dirigeants notamment, et en leur capacité à se développer. La valeur ajoutée de Cinétic sur le développement du dirigeant, c'est de l'aider à revisiter qui il est, sa relation à l'autre et sa relation à l'environnement. Le développement personnel du dirigeant passe par un certain nombre d'éléments que tous les collègues coachs ont déjà évoqués, mais il y a quelque chose que nous avons en partage, c'est la voix. Il y a tout un travail en amont en fait qui est à préparer au niveau de la structure même du discours en fait qu'on va dire, que ce soit en conférence ou même en réunion. Quand on est manager ou même quand on a commencé comme salarié comme moi, on a toujours un entourage, on a toujours un accompagnement. Alors que quand on est dirigeant, effectivement, on a une autonomie à mettre en place rapidement, sinon on peut vite se faire attraper par les différentes problématiques qui nous entourent. On essaie d'avoir du contrôle, on essaie d'avoir de la maîtrise, et en fait on est dans un système de plus en plus complexe, de plus incertain. Et là, il faut juste accepter qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on ne peut pas tout prévoir, qu'on ne peut pas tout contrôler. J'ai participé à l'émission au mois de juin. J'ai rencontré une équipe très accueillante, sympathique et aussi très professionnelle. J'ai beaucoup apprécié les échanges avec les autres entrepreneurs. L'ambiance aussi, très conviviale, beaucoup de bienveillance également. Alors l'Incubacteur, effectivement, c'est un lieu d'accueil, d'accompagnement et d'hébergement de porteurs de projets, de créateurs d'entreprises et de jeunes entrepreneurs en fait, donc qui est un lieu qui appartient à la communauté de communes Estuaire et Sillon. Je suis agent général AXA Prévoyance et Patrimoine et je rayonne sur tout Nantes. Je suis accompagnante en développement corporel et je m'occupe essentiellement des femmes dirigeantes, des femmes mères, des femmes travailleuses, des femmes en général. Alors Capagora, c'est une plateforme de transparence politique qui a été développée par la responsable du projet, la chef d'entreprise que je représente aujourd'hui. Donc on va travailler en fait pour vous en tant que dirigeant par le biais de l'hypnose. L'hypnose, ça va être une invitation au voyage. Et depuis le siècle dernier, je me suis mis à mon compte pour aider les entreprises à se développer commercialement. Donc moi, je ne vais pas parler de l'humain, je vais parler de chiffre d'affaires, je vais parler de marge, de rentabilité. On a vocation en fait à animer ce type de lieu, donc que ça soit pépinière, hôtel, espace de coworking, ça peut être des incubateurs, des couveuses, enfin voilà, tout ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui des tiers-lieux à vocation économique.